Tu peux te tromper là, c'est la voix, la voix. Attends, tu viens de dire, si tu l'as Discord, comme ça, ils vont pas connecter, tu viens sur mon lien. Mais je me souviens de cette femme de mentir. Eh non, 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 regarde ce qu'on va faire. Ajoute-moi sur Snap. J'ai pas Snap déjà pour commencer. Alors, ajoute-le sur Insta. Pourquoi? Pourquoi pas? Je vais monter la lettre après. Pour le coup. Non, 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 mais pour le coup, il a pas tort. De toute façon, j'ai ton Insta, je te follow, t'es obligé de m'accepter. Et de me follow back. C'est bon? Les gars, laissez-la tranquille. Elle veut pas vous donner son Insta. Elle est peut-être jeune, elle est mineure. Laissez-la. Non, elle est pas mineure. Je suis mineure. Ah bon? Mais qui a dit que nous, on était majeurs? Attendez, j'arrive. Je vais te parler en DM et on voit ensemble mais parce que. Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Harley Quinn, je vais te parler en DM comme ça, au moins, je te protège. Elle a 18 ans. T'as dit que t'as 18 piges, non? Presque. Ah, t'as pas 18 piges? Oh, il mérite, hein? J'ai 18 en septembre. Ah! Laissez-la tranquille, c'est une jeune fille. C'est pas grave. Masqué, il a 18 ans à peine, lui. Donc, il peut. Tranquille, les chibres. Tranquille sur les chibres. Attendez, je vous montre une musique de ouf. Ouais, je c'est un mec. On sent pas les couilles, voilà. C'est sûr. Ouais. On sent les couilles. Sont... Harley, c'est toi sur la photo? Ouais. Pourquoi il parle comme ça? Tu vois, c'est... C'est un mec, ouais, c'est sûr. C'est un mec. Pour une fois que j'ai bien une musique de Paris. Mais il a pas mangé, il a envie de bouffer Madaron, lui, il est fou. Il mérite eux ou pas? Toujours. Salut. T'as pas vu ton live Jabina, mon ref? Yo. Désolé de vous déranger, je voulais savoir, est-ce que Spony est passé ici parce qu'il m'a demandé qu'il allait rester dans le vocal 11, vous l'avez vu ou pas? Oh l'enculé. Vous avez vu les gars? Avec qui? Je sais pas, il y a un fantôme qui est passé à côté. Attends, mais tu parles Reznor, tu as dit quoi parce que je t'ai pas entendu? En gros, il y avait... Ouais, tu m'entends, c'est bon. Ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous foutez pas de moi, parce que c'est chiant, c'est pas la première fois ici quand je vais sur l'académie, les gens ils m'embêtent. Je voulais demander, est-ce que vous l'avez vu, Spony? Vous m'entendez? Oui. Oui, là on t'entend, vas-y. Oui, je suis avec Spony pour jouer. Est-ce qu'il est passé ici sur le vocal 11? Il est passé? Non, il est pas passé. Pourquoi t'es très jeune, Ayman, t'es une fille, t'es jolie, non? Oui. vous êtes des malades. Regarde, reste dehors, je te dis un truc, c'est un garçon, il a un gros boule. Ça m'intéresse pas. Je suis une fille. Ayman, envoie une photo, frérot. Fais croquer. Je m'en vais. Reste là. J'essaie de comprendre ce que tu dis, mais... Il n'y a que des piges. Justement, je commence en haut, et je descends limite en isométrique. Ouais, c'est ça, mais limite en isométrique, parce que je marque vraiment des temps. Ah, il y a Arpège qui est là-dedans. Cet après-midi, là, je me suis fait une séance pecdo en super set. Il raconte sa vie. Mais moi, le traction, c'est pas mon exo préféré. Je l'imagine trop comme ça. Tu m'as tué, Nabo. Non, mais je te parle, exemple... à la machine, enfin... Ouais, mais il faut qu'il vienne travailler avec moi, lui. J'ai pas de machine, moi. J'ai rarement ce sport, comme je suis en gym. Meilleur exo pour moi du dos, rowing halter. Je tenais à te dire, plus musclé que toi, t'es arpège, t'es vraiment continue ce que tu fais, t'es vraiment un super artiste. Chaud. Pourquoi elle rigole, là, du dos, là? Non, c'est stylé, t'as des fans. T'es baillé sa mouchine, c'est travail. Tu veux quoi, toi? La chimiste. Vous voulez qu'on aille revoir le créateur du jeu, les gars? Tu le connais d'où, Reznor? Il se trouve qu'il est sur un autre Discord où il a beaucoup de talent. Il fait du piano et tout. J'aime bien ce qu'il fait, vraiment. Et c'est intéressant. T'es dire le piano, il y a tout, ouais. J'ai pas dit. Pas limite. Non, ni sa fième cacté, Adam. Pourquoi il parle? C'est quoi cette voix, frère? Parce qu'il y a que lui qui peut comprendre, il y a que l'autre. Ok. Il y a que plus musclé que toi. T'es où, toi? Oh, le dev, il était où? C'était quel Discord, ça, les gars? Faut que je retrouve. Moi, je ne gavais pas l'autre, c'est qu'il y a Metal qui est... Il parle vraiment russe, lui? Non, en plus, je parle vraiment mal. T'as remarqué, donc, jamais parlé. Ouais, l'accent au début, en fait, moi, comme... Bah, je parle surtout avec Madaron. Vas-y, tu peux y aller, tu peux y terminer. C'est l'accent de PD.
Et je vais te niquer ta mère. Je vais te niquer. Non, ça c'est l'accent du blitz. Je vais te niquer ta mère. Ah, je sais plus comment ils font les Marseillais, un accent de PD, frère. Qu'est-ce que leur accent de blitz. C'est 2010. C'est 2010. Fils de pute de bico de merde. Боже мой. Ай, боже. Маленький девчонка. Des fois, je trouve un autre Discord avec un Discord plus calme parce que je crois que. Non, mais c'est cool d'avoir un russe musclé. Ah, oh, vous m'entendez ? Malheureusement. Ouais, ouais, on t'entend. T'es une fille, t'es jolie, toi. Ah, moi je dirais pas mon vrai prénom, mais moi tu m'appelles Shana ici. Shana, oh, ouais, ici moi je m'appelle Shana. Enchanté, Shana, désolé de te déranger. T'es belle, hein? Bonsoir, comment allez-vous en cette belle nuit? Je vais très bien, merci. Et vous, mademoiselle? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ouais. C'est une meuf, je pensais. Okay. Oui, c'est une fille. Ben regarde sa page de profil, idiot. T'es con ou t'es. Je sais pas, je suis en train de jouer, frère. Le blanc là, c'est un handicapé. Non, il faut se détendre, hein, tranquille. Ferme ta gueule, il est de PD. C'est grave. Non, mais laissez, c'est Nordine, il sera drôle. Ah, les faucons des doux là. Espèce de fils de pute, t'as pas de vie, espèce d'enculé de ta mère, tu nous regardes. Espèce de pédophile de ta grand-mère, tu espèce de gros chien de tes morts. Fils de pute, espèce de pute, grosse pute de ta mère. Enfin, ferme ta gueule. Et toi, ferme ta gueule aussi, grosse pute de ta mère. Parce que tu sais quoi, au bout d'un moment, ça va aller aux flics. Arrête de faire ça, arpège, je ruine pas. Ah, Jad. Il est con, lui. Jad, la bonne chose, c'est lui que t'as envoyé à Arturo. Je suis pas venu te chauffer et je suis pas venu te draguer. Je suis venu en paix. Ça veut dire que tu ne me manques pas de respect et je te manque pas de respect. Tu me manques de respect et je te manque de respect. Moi, je suis chez une italienne espagnole et non, je suis pas une allumeuse. Wesh, mais calmez-la, c'est pas possible. Mais en même temps, si tu lui parles, tu lui réponds, idiote. T'es... Non, je reste moi-même, c'est tout. C'est juste qu'en vérité, je me fais pas dominer sur un écran, je me fais pas dominer sur un réseau social, je connais très bien ce que c'est le réseau. Charnel, le problème, c'est que tu lui as parlé, tu lui as mal parlé, tu lui as même parlé. Je m'en bats les coups de sa vie, je m'en bats les coups de sa vie, cette grosse charcutière. Voilà, les termes. C'est bon, c'est parti. De fou, frérot. Salarabe de merde, la casse. Il lui a mis deux doigts, ils sont plus pissés. Ton putain de prophète de merde. Elle a dit salarabe de merde, tu vas mis avec ton seigneur, tu es non-binaire, toi, ma cocotte. Mais t'es même pas une non-binaire. Casse ta gueule là, sale fils de pute, tu fais peur à ma France. Je suis une meuf, moi, me dis pas fils de pute, idiote. Retourne en CP et faire la différence entre une homme et une femme, s'il te plaît. C'est chaud là. T'as deux de QI. Mais non, c'est une femme, j'ai mis ma cam il y a 10 minutes. Bah, mais là, on va voir si c'est une femme. Faut te beurrer de merde. Parce que t'as un gitan arabe et la vie de ma mère, tu vas voir que je vais te casser le cul, sale pute. Je veux pas la se guérir avec moi, je suis pas de parole. Quand tu fermes ta gueule, espèce de pute, bah, tu te fais baiser. Ça me fume de la passer dans les caps. Je vais te retrouver, je vais te casser. Moi, je suis pas ta copine, moi. Sale pute. Voilà, elle commence à fatiguer. Elle a la tête de ma mère. T'as vu ce genre de meuf de maintenant, frère? La meuf du quartier, elle a mais ferme-la, Chana. Ma mère, t'es là, mon frère. Mais dans les du chien, c'est pas possible. Et là, tu me casses les oreilles. Ferme-la. Oui, mais en même temps, c'est la seule qui parle et qui a du répondant. Vous la laissez tranquille. Donnez-lui du shit. Vous n'avez pas à l'insulter aussi. Mais je sais pas, c'est une meuf du quartier, frérot. Elle filme du shit. Normal, tu lui parles mal. T'es une vieille meuf aussi. Mais ferme ta bouche. Je lui parle même pas mal. Elle arrive, elle est comme un âne dans tout le Voc. Ah, mais attends, je crois qu'il y a une équipe de cassation entière. C'est vrai ce qu'elle dit, que t'es une grosse bouche à pipe? C'est vrai? Qu'est-ce que. Ça va le Voc, là? Je la baisse. C'est bon. Bref. Ouais, moi j'ai moins. Alors, regarde la bouche de suceuse qu'elle a pas. Elle a sucé des noirs. Et je la vois bien se faire casser le cul par un nègre. On disait que j'étais chiant, on parlait muscule. Elle a la gueule pour attirer des noirs dans une cave à train de leur sucer la bite. Après, on parlait muscule. Je sais pas pourquoi, ma cousine, mais chauffe le rouge à lèvres, ma cousine. Je suis sûr qu'elle se fait casser le cul par tous les noirs de Paris, celle-là. La vie de ma mère. Oh, tu veux que je continue ou pas? Moi, je vais terminer. Tu sais pas qui je suis ici. Il y a tout le monde qui te regarde, sale pute. Une bite de noir ou pas? La vie de ma mère, je vais te la mettre dans la bouche.
je vais trouver un collègue, il va te rafaler. Et pute, voilà, t'as la gueule à sucer des noirs, toi. Je sais pas pourquoi t'as la gueule de pute à sucer un noir. Je sais pas pourquoi, mais skin, je te verrais bien avec un noir, espèce de pute. C'est arrête trop... d'insulter les gens, gros connard. Mais c'est normal. Mais... toi, ta gueule, j'ai pas ton temps, frère. Je suis Sasuke Aizen. Je suis Sasuke Aizen. Vous insultez personne ou je vous fais une illusion au monde de chien. Je vais vous faire à l'octogone comme des fils de pute et je vais vous exterminer tous à part un. Vous voulez faire un octogone contre Sasuke Aizen? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Non, Charnel, elle va s'excuser. Oh, ta gueule. Octogone de ta grand-mère, je suis une grosse salope, si je m'excuse, là, une de ma mère. Elle fait la folle derrière son écran, elle claque pas d'yeux, elle s'endort, cette grosse pute. Espèce de fils de pute. Ouais, mais en même temps, t'es pas grande aussi, Charnel, par rapport à elle. Ça se voit qu'elle est très grande. Mais je m'en bats les couilles, il me raconte pas ta vie, ton pute de ses morts. Le médiateur sur le vogue du Discord, frérot. Tu vois le délire ou pas? Mettez-lui une muselière, c'est pas possible de parler autant, frérot. Tu me suces la chatte, toi, parce que c'est débile. Le problème, c'est que t'as commencé. Tu suces la chatte, ouais, meuf. Je sais pas, je peux pas me la boucave à la une tête, j'ai envie du mettre à coups. Pas de vocabulaire, rien. Elle vaut que dalle. Vraiment immature, hein. Fermez vos gueules. Il a foutu le bordel en deux secondes. Vraiment des immatures. Fermez vos gueules. C'est qui la voix de pige là de merde là? Oh, c'est quand j'ai frère, elle a une voix de pucelle. Chou, c'est moi qu'elle parle tout doucement, je vais m'endormir, frère. Oh, la vie de ma mère, c'est ça, gênant, fermez vos gueules, vous êtes gênant. Je préfère l'insulter en face. Je vais faire un octogone. Deux minutes aussi. Oui, ben Charnel, c'est pas la bonne façon de réagir. Il fallait au moins établir un échange. On va les couilles. Eh, mais t'es mon daron, toi. Je respecte pas, il connaît ce que il a entièrement raison. Et t'as mis un échange de les règles de l'art, dans le pacifisme. Moi, je veux bien être respectueuse avec les gens. Mais quand t'arrives et que tu bug le code dans le vogue comme une vache, frérot, je suis désolée, ferme ta gueule. Y'a pas à discuter. J'ai vu sa gueule, elle est étalée. Une patate tartinée au sol, la meuf. Chauffe la gueule. Quand il est étalé, toi, t'es bien les becs, toi. T'es bien les anorexiques, toi. Faut pas qu'elles ont des os au niveau du corps, toi. Ah, mais elle continue à parler, elle est trop conne, la vie de ma mère, elle a toujours pas compris que je l'entendais pas, cette vieille pute. Deux neurones dans la tête, elle crache sur la caméra, elle mérite de se faire cracher. Deux neurones dans la tête. On va le comprendre, c'est quoi l'effet de se faire cracher en pleine face? Tout simplement. Écoutez, arrêtez la main. Charnel, elle veut te parler, tu la démutes là, elle veut te parler. Ouais, je m'en bats les couilles. Je suis pas une pute, moi, je parle pas avec ce genre de personne. Oh, Jadami, t'as trouvé ta proie. Elle a cru que j'étais sa pote, va grimper l'amitié ailleurs, s'il te plaît. Ni plus la merde. Bon, puis je t'ai parlé en DM, t'as l'air gentil, Charnel. On s'en bat les couilles là, on parle de toi, vieille. Vas-y. Merci, t'es ouais, vraiment. Il est 10 ans, frérot, pourquoi il fait le fou? Tu mais peux mettre la cam en privé après? Non, je mets pas ma cam en privé. J'ai des moches, j'ai des serrures là, oui. C'est bizarre, toi, c'est bizarre. On a des moches, fermez vos cuisses. Tu pourras mettre la caméra. C'est bizarre, c'est intégration. Oh, vous êtes fou, faut se faire parler. Wesh. Petite salope. Je dois muter à chaque fois les mecs qui pondent. Vieille pute. Bon, on descend en bas, Shana. Ils sont pas aptes à prendre connaissance avec toi, donc on descend. Chichi. Même Amy, elle est choquée. Salut à vous tous. Salut, ma mère. Mais Amy, elle est choquée depuis tout à l'heure. Là. Ouais, depuis tout à l'heure, elle est choquée. Imagine, tu vois, il y a un gars, il pointe un pistolet. Ouais, non, on va parler là, alors c'est bégayé trop, parce que là, vous êtes trop longtemps. Ok, vas-y, Kiloa, parle, vas-y, Kiloa. Tu vois, et elle a du petit flop parce que genre ça se vend en grande bouteille et petite bouteille, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a des grandes bouteilles, il y a des petites bouteilles. C'est un petit flop en 33. C'est un petit yop. Exactement, mais ouais, genre, nous on appelle flop au sud, tu vois ce que je veux dire? Salut, vous avez des joueurs qui jouent à Valorant ici? Parce que j'ai un petit flop. Ouais, moi je joue à Valorant. En 33, gros, c'est 750. Tu joues à Valorant, Reznor? Oui, ça m'arrive, ouais. Ça aussi, c'est un petit hop, ça, grand duc. Je les mute, là, les nuls, là. Est-ce que t'es fort, Reznor? Hop, endormi. Il est où, Reznor, là, de merde? Hop, mute. Attendez, les gars, je vais changer de Discord. Il y a qui encore? Régis, hop, je te mute aussi. On décroche de ce Discord, les mecs, je vais juste regarder. Ah, ouais. Si on a un autre... Attends. Intéressant, celui-là. Bonsoir.
Ah, il y a un monsieur qui est dehors. Ok, bah j'y vais. Mais pourquoi personne... C'est bizarre, personne ne parle. Attendez, regardez juste Joyka ce qu'il fait. Vas-y, attends. Puis regardez une vidéo. C'est chelou quand même. C'est de la merde ça ou c'est marrant ou c'est de la merde ça? C'est quand même du bord pour pas rigoler. Hein. C'est quoi cette vidéo? Tu t'es arrêté depuis le lagoon. Il regarde ça. On ruine? On arrive et on ruine? Hey, elle est bien la vidéo. Je peux regarder avec vous? Ah ouais, regarde. Ah, merci. Je ruine? On ruine ou pas? Ah, elle est en tendance. C'est la hesse, hein. Côté au bout. J'ai offert une autre bouteille, je crois. C'était sûr. Je sais plus, c'est quoi. Il s'appelait, ça fait combien de vues, ça? Toi, au moins, Kado, il s'amusait à chanter. C'est quoi ça? Ah non, c'est mal, c'est mal. J'avoue, elle est marrante. Bon, c'est parti, Rune. Bah, Rune, dis quoi, Rune. Vas-y. C'est trop bien, c'est mon temps. Et toi, t'es un fou, la vie de ma mère, j'en peux plus de toi. Et j'en ai marre de toi. C'est une fille, les gars, qui vient d'arriver. Elle regarde la vidéo, je crois. Putain. C'est qui le mec qui sonne board? C'est qui le mec qui sonne board? C'est Régis. Jeudi 30 septembre. Je vais enfoncer ma bite tellement profondément dans ton cul que celui qui arrivera à la retirer sera surnommé le roi Arthur. Allez, maintenant t'as joué avec les soundboards, c'est marrant, on peut recommencer. Régis, je l'avais mute, ouais. Mais j'avais pas vu qu'il... Non, mais choupe Régis, toi, ton gros porc, frère. C'est pas mon pote, lui. Elle a pas muté, j'espère. Parle, Régis. Fais un bind. Fais un bind, Régis. Bonsoir à tous. Ah, bon. Jeudi 30 septembre. Ninja, t'as à peine 12 ans, dégage du Discord. Il est déjà 3h du matin, idiot. Dégage. T'en avais pas trop, lui? Oui, c'est moi qui te parle. On dirait que t'es mon daron, comment tu me parles? Pourquoi t'as un puceau, toi? Non. On fait pas, c'est là, il va te dire un embrouille, tu vas démarrer, on peut rien. Les gars, vous gueule, on est là, on regarde une vidéo chill, Ninja il a rien demandé, il est là, ça fait 3 semaines, il est avec nous, laissez-le. Oui, mais le problème c'est qu'il est trop jeune, les gars, si vous êtes son pote, il a... Allez, rendu, il m'a cassé les couilles, Reznor. T'es puceau, frérot. C'est de PD, moi. Et ferme ta gueule maintenant, parce que je vais te mettre un octogone. Ouais. Oh là là. Non, tu t'appelles ça, mec. Attendez, Big Flo. Fais un peu pitié, mon gars. Ferme ta gueule, espèce de PD. Oh, frérot, il est 2h50 du mat, mec. Il est temps d'aller dormir pour les petits jeunes, là. Non. Attends. C'est marre, Régis, c'est ce rebelle. Attends, où est-ce qu'il est? C'est quoi cette vidéo de merde là qui regarde? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Attends. Faut que je trouve un autre Discord. C'est nul, les gars. Ouais, Nami, c'est vachement nul, les gars. Non, c'est trop bien, c'est trop bien. Vraiment la merde. Attends, vas-y, remets, Nami, c'est nul, attends. Mais j'ai pas le titan, j'ai pas pu regarder. Attends, vas-y, encore une seule fois, Nami, c'est nul. Mais c'est quoi ce qu'ils font à cette heure-là, les gars, regardez. No joke, moi j'ai envie de dire Nami. Oui, on peut demander l'autorisation, Shana, c'est bon. Merde. Oh non. Ta tête, elle ressemble. Je sais même pas qui c'est. Ouais, je crois que c'est Run Fire. Attends, on va aller faire une barre. Oui, c'est un Run Fire, les gars. Go le muter. Je l'ai muté. C'est quoi ton micro? Alors, c'est bon, les gars, on a l'aval de Shana, elle a dit qu'on pouvait utiliser sa voix ce soir. C'est cool, ça. En fait, je peux lui demander. On va être obligé, les gars, de venir la classer en SS++. Parce que sinon, c'est pas correct. Dégage!
Je suis désolé, Nami. Ouais. Alors, dégage! Oh la vie de ma mère, je te jure! Oh, ils sont sérieux, ils font une série de baiser! Et c'est quoi ces monodiscords? Je suis désolé, les gars, mais à l'heure actuelle. Nami s'avance à temps 2. Vas-y, montre que Nami s'avance à temps 2. Attends-moi, j'ai pas d'argument. Ils classent la beauté des mangas. C'est grave ce qu'ils font là ou pas? Je m'en rends pas compte, c'est comme si on faisait quoi? Nami, elle est rousse, et puis la fenêtre, elle est pollue. Toi, ferme ta gueule! Mais oui, c'est bon, moi, je vais déserter la voque en plus, frère, je suis fatigué. En forme de puceaux et de pucelles. J'ai déjà sodomisé un mec. J'ai mis capote. C'est ça, c'est Carotte, c'est qui? Eh, je comprends rien, ma gueule. On bat les couilles de ta gueule. Voilà, tu peux raconter ta vie, on s'en bat les couilles. Tu cites toi et ferme ta gueule. Ni ta mère, mais ni ta mère, t'as une vieille boîte de clé. Ferme ta gueule. Tous les soirs, je vais prier pour que tu crèves et que t'as le cancer, espèce de pute. Viens pas parler à Rabi, c'est ta mère parce que je vais te porter la chemoule, espèce de salope. Arrête de faire jouer, tu n'habites rien du tout, t'es nul, t'es mauvais, t'es aussi... C'est mauvais ce que tu proposes, c'est archi mauvais. Attendez. Ils font pitié les gens comme eux là. Ah. Oh mon dieu. Arrêtez les gars, calmez-vous. Calmez-vous, c'est pas gentil d'être. Bref, tu peux le terminer. Je l'ai fini, ce fils de pute. Et je l'ai terminé. Et je suis pas une consanguine parce que je viens de t'exterminer, le consanguin. Si je serais une putain de consanguine, oh, je viendrais pas te terminer pour pas te terminer. Retourne à Marseille et va te faire bouillir, espèce de petite pute, parce que je vais t'accrocher sur la tour Eiffel. Ferme ta gueule. Et tu veux terminer ça alors que la nature, elle l'a déjà terminé. Qu'est-ce que tu veux terminer ça alors qu'il est déjà terminé de lui-même, s'il te plaît. Régis, viens, il y a trop de bibis. Tu veux terminer quoi? Mais les gars, mais arrêtez de vous faire. Ici, c'est le monde des gentils, les gars. On a à foutre. C'est pas gentil d'être méchant, les gars. C'est pas gentil d'être méchant, arrêtez. Oui, je résiste à changer de pépé entre-temps. Très beau, se ta gueule. Arrêtez d'être méchant, les gars. Parle bien de Régis. Pourquoi il y a deux Régis? Niquez vos morts, bande de salopes. Crevez avec le Covid, non. Bande de fils de pute. Est-ce que vous méritez que le système, il vous la mette dans le cul, bande de salopes? De haine en toi, Shana. Écoute-moi. On va mettre un calme à cette discussion. Venez, on descend en bas, les gars. Qu'est-ce qu'il fait, le collègue? Salut, c'est le bordel, j'en ai marre. Je me fais embrouiller par une meuf depuis tout à l'heure. C'est bon. On va se taper, on va se la mettre, on va se bagarrer. Tu vas t'embrouiller avec un mec maintenant. Mais. C'est ça que tu veux. Oh non, il y a Régis encore. Oh non. Régis, je le tabassierai là avec ma 1m89. Là. Donc, là, vous voyez, un coup-là, c'est radical. Non, Régis. Comment ça, tu t'es fait embrouiller par une meuf, Reznor, là? Comment ça? Bon, moi, la bagarre, j'aime ça, la bagarre. Oh, c'est Shana, c'est pour ça que je suis venu ici. Hein? Voilà, il m'a fait Twitch. Oh, c'était un coup français. Voilà, il m'a fait ban Twitch, c'est qui a mis ça? Mais les couilles. Répète, qu'est-ce que t'as dit, Reznor? Voilà, il m'a fait ban Twitch. Voilà, il m'a fait ban Twitch. Qui t'a fait ban Twitch? Ma gueule. Mais attends, c'est-à-dire que t'es en train de... Oh non, j'étais plus de l'alcool, non Régis, mais en vieillissant... Il y a trop de personnes en mode, c'est rapide, c'est trop vite. On va aller sur le Discord. Reznor qui t'embrouille, c'est Kémy qui t'embrouille. C'est normal tout. On va aller sur le Discord, il n'y a pas trop de stalkers, parce que là, il n'y a que des stalkers qui viennent. Les joueurs de LoL, ils s'énervent vite ou pas? Oh, je sais ce que je vais faire, les mecs. On va aller sur des games... Ok, c'est bon, j'ai compris. Tu m'entends? Ouais, ouais. Quelqu'un a des Discord de genre de LOL? Attends, déjà, viens là-dessus. Attends, tu t'es fait ban de tous les Discord que je t'avais drop ou... Non, non, je sais pas, t'en as d'autres? Envoie-moi. Attends, je t'envoie celui-là déjà. Mais c'est pas du tout ça.
Salut, ça joue? Hello. Hello, hello. On regarde Sardoche, hein? Ah mais il est connu en plus. Hashtag Sardoche. Alors qu'on est sur... Mais non, mais ça... Oh, mais ça c'est l'arnaque. Hein, qu'on est sur Valorant de France et on ne joue plus au même jeu. Ouais. C'est un peu con ça. Ouais, on a été vraiment très con là pour le coup. Attends, et vous jouez pas? Non, enfin si on joue, mais pas au même jeu en fait. Ah, mais moi je voulais faire un ranked sur Valo. Et merde. Ah bah le début du drama, et en plus ils arrivent à 15 000. Oh, putain, j'en peux plus de ma vie. Eh, salut. Donnez-moi une corde. Ah, c'est une fille qui vient d'arriver. Comment ça, c'est une fille, mais pourquoi? Bon, ben non. Regarde sa pépé. Et il a dit salut et bonsoir. Mais non, je peux plutôt... Ah, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oh, ça a marché, je crois. Oh non, il mérite pas. Et oui. Du coup, t'es une damoiselle? Ah, moi, je dirais pas mon vrai prénom, mais moi, tu m'appelles Shana ici. Oula, ouais, calme-toi, frérot. Hein. Shana, enchanté. Merde. Putain, mais ça fout le malaise direct. Ouais, non, mais nous, on est restés comme des deux débiles. Parce qu'on est deux, hein. Parce que l'autre, il a coupé son micro, genre, je peux pas. Mais, ouais, note. Ouais. Il peut parler? Il a un micro, parle. Kaïs, t'es là? Il me laisse dans la merde. J'en peux plus de lui. Excellent. Plus 6. Oui, mais du coup, on a changé de jeu. Nous, on est parti sur Rocket League, là. Ah. Donc, on va se déco hein, de la vocale. Et non, désolé non. Hein, pour le dérangement. Non, mais on peut vous accompagner. Vous allez jouer s'il y a une place, peut-être je peux jouer, j'ai le jeu. Shana, tu veux jouer aussi ou pas? Non. Ouais, parfois. Bon. Enfin, elle mérite vrai, de moi, te plaire. Je laisse. Ouais, attends. Je t'envoie un MP et... Je vous laisse, les gars. Non, c'est bon. Tu restes ici avec nous, avec Farfa. Mais Keizen, tu... Genre, tu m'abandonnes. Ça peut être Masterclass, ouais. Le mec qui réagit. Hein. Je vais dormir, je suis fatigué, en fait. Tu préfères aller jouer avec Shana en fait, ouais voilà, t'as tes préférences et tout. Ouais, je pensais pas que notre relation allait se terminer sur un... Ah ouais. Non, il faut que j'arrête mes vieux bails. Non mais t'es sérieux, tu te barres vraiment? Vas-y, on va l'envoyer à Nicolas. Mais viens jouer à Rocket League avec moi frère, je vais te carry de ouf en plus. T'es fort sur Rocket League, c'est quoi ton niveau? Non, je suis pas fort, je suis C1. C'est bien ça, C1, les gars. Ah, bah quand même, hein. Faut y aller, hein. C'est bien ça, C1, les gars. C'est de la merde. On se refait ça demain. Mais pourquoi t'as pas de coup? Ah, ouais, mais genre, il m'abandonne vraiment. En vrai, j'ai trop. Ah, bah quand même. J'ai rien avec toi. Bonne soirée à toi. Mais il lui arrive quoi? Bah, vas-y, bah, bonne nuit, poulet, mais ouais, pas cool. Mais vas-y, je t'ai en ami et. Bah, du coup, t'as rejoint son Discord. Bon, en vrai, j'ai fait ma pub, hein, c'était cool. C'était pas voulu, mais. Mais pourquoi tu l'appelles poulet? Vous vous connaissez? Mais non, mais pas du tout. Mais moi, j'appelle tout le monde poulet. Mais là, on était parti sur Valorant. Valorant, je suis une sous-merde. Mais Shana, elle y joue, moi j'y joue. Go faire du Valorant? Ah bah oui! Non, mais après, moi je lui ai dit, vas-y, Valorant, ça me casse les noix. Pour rester écoute poli, ta gueule, parce que voilà, tu peux raconter ta vie, on s'en bat les couilles. Tu cites toi et ferme ta gueule. Oula, mais t'as l'air assez violent, toi, là-haut. Calme-toi, ferme poulain. Ta gueule, je t'ai pas sonné. Oula. Oula. Mais c'est une meuf ou c'est un gamin, là? Non, j'ai pas compris. La chibro de ta mère. Ça s'entend que c'est une fille. Mets-toi de ton cul, je vais te casser le cul. Oh. C'est une fille. Je crois qu'il est. Ah, c'est un bonhomme. T'oublies l'image que j'ai une schneck et t'imagines que j'ai une bite et trois boules. C'est une trois board, boules, en fait. Mais vas-y, mais tu t'en es jamais pris une espèce de gamine là, mais non, c'est une vraie franchement, mais refais-toi, Frangine. C'est bon ou pas? Tu me la suces ou pas? Tu me la suces ou pas? Arrête, mais j'ai l'âge d'avoir ton père, donc voilà. Calme-toi.
Calme-toi, j'ai l'âge d'avoir ton daron. Vas-y, chlo. Tu t'es refait. Arrête. Je me suis tapé une pute et puis il y a toi qui a été pendu. Laisse-la, Farfadox. Salope. Laisse-la, calme-toi. Elle mérite pas, laisse-la. C'est une bouffonne, laisse-la. Je suis putain de coriace, mon pote, et j'ai peur de rien du tout. Avant de me porter, déjà, pour commencer, j'ai peur. Jusqu'à que j'ai pas un bout de chair dans la bouche. Je vais t'arracher le bout de chair de ton bras, frère. Je pense que ça aura pas le temps de me prendre tellement que je suis content. Pourquoi t'es agressif comme ça, en fait, avec lui? Dis-le, vas-y, pourquoi? T'as rien fait. Eh oui, mais c'est qui game, hein. Kaizen, vas-y, Kaizen, passe-moi le lead. On la kick là, parce que déjà, elle a 13 ans, elle a jamais goûté une tub. Mais elle connaît même pas le goût du sperme, donc barre-toi et viens pas nous casser les burnes. Casse-toi. J'avoue, au moins c'est bien envoyé ça. Mais oui. Mais vas-y, mais frère, j'ai 34 piges, qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre la vie? Elle a peut-être l'âge de mon fils. Non, mais il a 12 ans, t'es en âge mental, t'es pas plus intelligente que lui, donc tu vas te détendre. Là, c'est peut-être les vacances scolaires, il fait beau, il fait chaud. Ouais, c'est sûrement ça. Prends un ventilateur et va te calmer. Prends un mojito, ou je sais pas. Non, mais toi, tu fais trop ma tête, je vais te manger un coup de boule. Bah, un coup de boule, mais vas-y, mais quand tu veux. Arrête de me prendre pour une conne. Et en genre, c'est une meuf. Le mec, je suis sûr, il a 12 ans, il a une voix de meuf. Et en fait, ils reprennent trop les voix. Un avatar de fille, alors. Pourquoi c'est une fille? Elle s'appelle Chanel. Mais non, parce que c'est pour le troll. Mais c'est trop drôle. Elle a une voix d'un gamin de 12 ans. Par des déchets de la société. Franchement, quand je me dis, je me fais mater par ça, des pélos qui ressemblent à rien, punaise sur la gueule. La vie de ma mère, franchement... Mais porte tes couilles. Alors, espèce de môme de 12 ans, allume ta webcam, on passe en vision. Qu'est-ce que tu veux terminer ça alors que la nature l'a déjà terminé, on va faire le débat. Qu'est-ce que tu veux terminer ça alors qu'il est déjà terminé de lui-même, s'il te plaît. Regarde. Tu veux terminer quoi? Allez, vas-y, ouais, franchement, je suis généreux. Il a raison, enfin, Fatak, t'as raison. Alors, Chana, vas-y. Je reste un être humain, t'as vu, j'ai pas besoin d'un clavier, t'as vu. Merci, je reste droit dans le proche pour t'exterminer. Alors, mais ferme ta gueule et barre-toi de ce vocal. Qu'est-ce que tu viens nous pourrir notre chat, là? Barre-toi et nous fais pas chier, franchement. J'ai trop de chier. Je chibre tout, ça dedans, frère. Là, il se la rame derrière un écran, ces fils de pute. Ça a même pas tiré sur quelqu'un, ces grosses salopes. Je suis sûr que c'est un bonhomme. T'as une meuf ou pas, toi? T'as de la chance, toi. Un bonhomme de 12 ans. T'as une meuf. Je suis mort de rire. Je vais même pas allumer ma webcam parce que franchement, ça vaut pas le coup. Mais casse-toi. Si, allez, Chana. Chana, ça sent la schneck. Allez, barre-toi. Dégage. Oh, ta gueule, je te dis. Quand tu fermes ta gueule, un blanc, ça ferme sa gueule. Quand tu fais le steak devant ta France, tu te fais enculer par l'État, tu fermes ta gueule. Attends, je vois l'État qui t'encule devant ton pays. Ferme ta gueule. Tu resteras toujours une pute de l'État, salope. Ouais, tu fais le gars sur le réseau. Mais tu sais que t'es une pute devant le système, sale salope. C'est Marine Le Pen, hein. Assume que t'es un putain de blanc, tu suces l'État, tu te fais enculer aujourd'hui. Assume que t'as pas de retraite. La retraite, c'est eux qui t'ont baisé. Assume que tu bosses comme un esclavagiste. Bah ouais, tu l'État. 9-3. Ferme ta gueule. Tu vas faire ta loose gag, un blanc. Un putain de français de mes couilles. Tu la fermes, ta gueule! Tu la fermes! Moi, je suis une gitane, là, contre tes morts. Je suis pas de tes races de pute, là! Oh là là! T'as compris ou pas? Non, je crois pas, Kaizen, parce qu'elle dit les termes, là. Je vais lui dire de dire mon petit. Mais parce qu'elle s'en fout de toi, peut-être qu'elle t'amute. Toi, ta gueule, j'ai pas ton temps, frère. Ah, mais on peut pas la ban, là, franchement, là. Je vais appeler un modo, Kaizen, t'inquiète. Go sur ton serveur, Farfadox. C'est des fils de pute. Ouais, bah, la bouche ouverte. Farfadox, mets la caméra pour eux. Et une bite dans le cul, et tu les violes. C'est sûr. Je viens de te terminer. Bon. Tu vois comment tu les termines, ces fils de pute? Tu les termines comme ça. Tu leur fais du olé olé, ola ola, ces salopards. Mia putain. Ouais, on s'amuse, là. Vas-y, on monte là-haut. Wesh. Salut, ça joue? Ouais. C'est quoi comme rank? Gold 1. C'est gold 1 en caisse. Vous attendez depuis longtemps, pas vous? Vas-y, quoi? Comment? Vous attendez depuis longtemps? J'ai pas compris la question, je suis vraiment désolé. Mais moi je suis ascendant en fait. Je voulais savoir, vous attendez depuis longtemps, Delast, ou c'est galère ce soir ou ça va?
Mais on est putain de ascendant, on ne peut pas jouer ouais, ensemble. On est ascendant. C'est juste. Ascendant, mais quel ascendant quoi? Ascendant 2 pour moi, ascendant 3 pour lui. Je comprends pas. Ascendant Sagittaire, c'est... je comprends pas. Eh, salut. 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 Oh, hiyo. I got you. Ça va? Wesh, ça va, ça va. Oui, et toi? Et toi? Nice. C'est bon, là, tant mieux si ça va bien alors. Elle a pas répondu. Ouais, bien vu. Je suppose alors. En bas les couilles, je te dis bonjour ou pas, j'ai pas envie de te dire bonjour et je t'emmerde, espèce de grosse pute. Ah, okay. Vous avez vu que mais pourquoi t'insultes aussi facilement? J'espère que t'es athée. J'espère que t'es toi, ta gueule, j'ai pas ton temps, frère. J'espère que t'es athée. C'est la meilleure réplique, c'est quoi ça? Ouais. Elle m'a dit bonjour. Mec, je crains pas les insultes, désolé. Pourquoi il est agressif là? Si t'es pas contente, Shana, si t'es une meuf ou je sais pas qui t'es, va jouer ailleurs. Hein. Laisse-les, tout en haut. Et moi, je viens de rejoindre avec eux. Ils m'ont dit qu'ils sont pas de même branque, je crois. Et ils m'ont parlé normalement. Hein. Ils ont été gentils. Ferme hein. Ta gueule, espèce de PD. Je reviens avec mon mail. Vas-y. Bon, ouais, je sais pas quoi dire là, les gars. Vous faites quoi? C'est tellement violent. Vous faites rien? Ok. Bon, j'ai la envie de tomber que sur des fils de pute. Ah, la même, non? Ça par va contre, ta petite collègue de pétasse là, ce petit puceau là, lui, la vie de ma mère, je vais le décoller. Gênant la sunboard. J'ai des frissons de cringe. Oh, lui, attends, je suis rentré dedans. Par contre, dire cringe, c'est à ton âge, idiot, ça va pas le faire, quoi. Âge? C'est trop, j'ai quel âge? Bah, c'est cringe. Il y a que des bouffons comme toi, des colos, qui bouffent des graines, qui parlent comme ça, c'est gênant. Mais en fait, le problème, c'est que t'as un problème avec l'humour, en fait. Genre, c'est pas d'humour, c'est de dire cringe, comme les cons de youtubeurs qui disent tout ça. C'est pas avoir de personnalité et être un bouffon, en fait, dans la vraie vie, c'est tout. Non, mais en fait, je t'explique, tu vois, l'humour, en disant, parlant de graines et tout, c'est pas comme ça que tu dois le dire, sinon c'est pas drôle, c'est juste gênant. Tu vois, bah tu sais, c'est ce que j'avais pris sur ta prochaine réplique, c'est gênant. Voilà, je l'avais dit. Donc ça veut dire que tu ne fais pas d'humour, t'es simplement con. Et, va t'acheter des yaourts et me saoule pas, en fait. Aberrant. Hein, zéro personnalité, ça reprend aberrant, cringe, s'il est cringe, il est aberrant. Bah c'est pareil comme tu disais. Vas-y, je suis qu'ils ont pas de cerveau. Ouais, tu prends le téléphone avec la croix et tu cliques dessus. Mais t'es un putain de daron, mec, va éduquer tes enfants, j'ai 17 ans, casse-toi. T'as 17 ans, mais t'as pas toutes tes dents, toi. Je mettrais bien un point dans la gueule, quoi, idiot. Bah si, j'ai toutes mes dents. Oh, ça me réfléchit, ça. J'ai deux caries, mais sinon j'ai toutes mes dents. Va bouffer du boulgour, vas-y, je m'en vais. Ouais, je touche la bite et tout, là, ces fils de pute de leur mère. Ça se voit que t'es crispé dans la vraie vie, t'es crispé, t'as même pas tes diplômes, idiot. Crispé? Gros porc. Personnellement, j'ai 5% de graisse et musculation depuis 2 ans, tout va bien dans ma vie personnellement. T'es crispé. Je sais pas ce que ça veut dire, crispé. T'es tout crispé. Ça se voit que t'as vu t'as shit grand... comme un porc sur un réseau? Je vais t'exterminer comme une graisse sur un clavier et je vais t'enchaîner. Franchement, rien de voir ta barbe et tes poils de cul sur le front. Faudrait déjà que t'arrives déjà à raser et t'épiler et après on en reparlera. Parce que je pense qu'en vérité, vu la tonne de poils que t'as sur la gueule collée au crâne, attends, je pense que t'arriverais même pas à toucher que la tête de ma mère, les poils, ils seraient déjà collés. Drôle, chier, parce que là, je vois que des poils sur le front. On a foutre, mec. Dans ce cas-là, tu nous mutes et tu fils de pute de bico de merde. Réponds pas alors. Tu fermes ta gueule, tu réponds pas. Si ça me j'ai appliqué ton conseil. Voilà, merci. Mute, voilà, réponds pas. Tu lances ton jeu, Raze. Voilà, ouais. C'est bien, voilà, bon toutou, voilà, très bien. Bon. Je t'invite. Bref, tu peux le terminer, je l'ai fini, ce fils de pute. Et je l'ai exterminé. Et je suis pas une consanguine parce que je viens de t'exterminer, le consanguin. Si je serais une putain de consanguine... Des rentes les plus chiants parce que...